Bonjour et bienvenue à mon récital de finale de maîtrise en direction d'orchestre à l'Université McGill. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je voulais commencer premièrement en remerciant quelques personnes. Évidemment, l'École de musique Schulich qui rend l'événement possible malgré la pandémie, incluant l'équipe de techniciens, l'équipe de technique pour l'audio avec Carolina et vidéo avec Paul Lavoie. Évidemment, aussi tous mes professeurs qui m'ont accompagné durant toutes ces années à McGill jusqu'à présent, incluant Alain Caz et Guillaume Bourgogne qui ont été mes profs de direction. Puis évidemment, mes musiciens qui ont tous accepté généreusement de venir jouer pour moi aujourd'hui. Puis finalement, mes assistantes Caitlin et Sarah Douglas, mais surtout ma famille, mes parents, Dominique Michaud et Liane Saint-Laurent, et mon frère Benjamin Michaud, qui est probablement aimerait beaucoup mieux être ici avec nous en train d'animer que moi tout seul et lui qui est à la maison en train de retransmettre la vidéo de ce soir sur Facebook. Donc ce soir, on a deux pièces pour vous. Premièrement, La mère de Debussy, qui est dans un arrangement de Ian Farrington, ainsi que Rhapsody in Blue, dans mon propre arrangement que j'ai fait ce printemps. La mère a été composée en 1905. C'est une pièce en trois mouvements. Vous allez voir que c'est une œuvre qui est particulièrement imagée. C'est très facile de s'imaginer qu'est-ce qui se passe dans l'histoire dans nos têtes. Mais nous, on a quand même travaillé sur une histoire qu'on a commune ensemble, puis j'ai décidé de vous en parler un tout petit peu. Le premier mouvement, de l'aube jusqu'à midi, sur la mer. Pour nous, ça raconte vraiment l'histoire du soleil qui se lève, mais au début, nous sommes dans le fond de l'océan. Et si jamais vous voulez vous imaginer qu'on est proche du Titanic, n'hésitez pas, il faut que ce soit vraiment le plus noir possible. Mais très rapidement, il va y avoir la petite lumière qui va commencer à apparaître. Ensuite, on va se rendre au ras de l'eau, on va arriver à l'air frais. Vous allez voir le soleil qui va se lever tranquillement. Et finalement, on va arriver à la fin du mouvement avec le moment où est-ce que le soleil est au zénith, ce qu'on appelle, c'est-à-dire midi, où est-ce que le soleil est exactement à 90 degrés par rapport au sol. Deuxième mouvement, jeu de vagues. C'est un mouvement qui se passe dans la nuit. Vous allez pouvoir voir les étoiles qui vont bouger dans le ciel. Pour ce mouvement-là, j'ai imaginé une espèce d'histoire d'amour entre un personnage humanoïde ainsi qu'un animal, un phoque triste. Et donc, vous allez pouvoir entendre l'humanoïde en train de danser seul au début du mouvement, et ensuite, il va avoir l'animal qui va lui demander la main pour danser avec la personne, et ils vont finir ensemble dans ce mouvement-là. Et finalement, le dernier mouvement, Dialogue du vin et de la mer, qui est un mouvement qui a beaucoup d'énergie. Pour ce mouvement-là, vous pouvez vous imaginer un requin ainsi qu'un chasseur de requins. Au début, on va voir le requin qui va être joué, entre autres, par la trompette en arrière. Puis, dans cette histoire-là, vous allez voir que le requin s'est fait attraper un moment, mais s'est sauvé. Il y a beaucoup de moments d'attente où est-ce qu'on est vraiment en train de regarder au large pour voir si on voit le poisson aller. Mais ensemble, finalement, on a décidé que le requin allait survivre et partir et ne pas se faire attraper par le chasseur. Donc, La mère de Debussy, bonne écoute à tous.
I
Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de mon récital ce soir. J'avais trois petites annonces avant de vous présenter la prochaine pièce. Premièrement, j'ai su cette semaine que, ma famille ne le sait pas encore, que j'ai été accepté au doctorat ici en direction d'orchestre à McGill. Donc, je suis très heureux de pouvoir revenir, continuer mes études et me développer encore comme chef. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, je vais participer à une masterclass samedi prochain sur la mer, la pièce que vous venez d'entendre, avec le chef de l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa. Ça va être en direct sur Facebook. Et donc, si ça vous intéresse, c'est samedi prochain à 13h, si jamais si vous voulez savoir qu'est-ce que ça a l'air un cours de direction, en fait. Comment on apprend la direction d'orchestre. Et puis, finalement, s'il y a des gens qui sont intéressés à nous joindre pour le Zoom de célébration d'après-concert, ça sera autour de 22h. Il y a un lien qui est sur l'événement Facebook du récital. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un message. Je vous aiderai à vous connecter. Donc, la dernière pièce au programme est Rhapsody in Blue de Gershwin, une œuvre qui est très, très connue, qui marie le jazz et la musique classique. Vous allez entendre New York sous toutes ses facettes. C'est une œuvre de 1924. Je suis très heureux de pouvoir partager la scène aujourd'hui avec Tim Ledger. Tim, avec qui j'ai joué un concert le 8 mars 2020. Et c'était grosso modo chacun notre dernier concert avant la pandémie. Et c'est grosso modo notre premier concert depuis la pandémie. Et donc, merci de te joindre à nous aujourd'hui, Tim. C'est un privilège de pouvoir partager la scène ce soir avec tous ces gens. Et je voulais finir avec cette dernière phrase. Apparemment, si on est tanné de Gershwin dans la vie, on est tanné de la vie. Et donc, j'espère ce soir que vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des belles choses qui arrivent quand même. Bonne soirée à tous.
Thank you.
Thank you.